18 coopératives sont membres de la Fédération nationale des organisations professionnelles de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. En cette période de repos biologique de la pêche, cette fédération a décidé d'œuvrer pour le bien-être de ses membres et de lutter contre la pauvreté. La première étape consiste à trouver un moyen d'alléger les conséquences directes que peut avoir l'arrêt de la pêche sur les professionnels du métier. La seconde vise l'accès au financement nécessaire pour soutenir les familles de ces professionnels. Continuer à détruire les stocks, ce qui fait que la ressource même devient rare. Et c'est ce constat-là qu'a fait le gouvernement et qu'ils ont pris cette décision-là. C'est tellement qu'il va falloir faire des sacrifices. Mais c'est nous, acteurs, population, qui allons gagner au final. Parce que les poissons vont se reproduire tranquillement. Ils vont prendre le temps de grossir tranquillement. Ils vont prendre le temps de réparer les stocks abîmés. Et beaucoup de choses vont se mettre en place. Pendant ce temps, les pêcheurs aussi ne vont pas trop chômer. Ce qu'ils ont compris aussi, c'est la période où ils vont permettre de faire la toilette de ces pirogues-là. On ne leur a rien promis, mais nous sommes en train de courir derrière certains partenaires. Il n'est pas encore trop tard, on a encore près de 3 semaines à observer. Ce n'est pas facile pour les familles, mais nous sommes en bonne voie de discussion avec certains partenaires pour pouvoir aider nos coopérants. En grosso modo, nous voulons dire que la pêche peut garder les jeunes. Ceux qui sont désœuvrés, la pêche leur crée l'emploi. Parce que le périmètre, quand vous partez de quai, je peux encore remonter pour dire dans l'embarcation, dans la marée. Quand un pêcheur, à coup d'une marée, est parti avec un ou deux apprentis, en amont comme en aval, c'est entre 15 et 20 emplois qui sont créés. La création de cette nouvelle fédération naît du désir d'opter pour une meilleure gestion des métiers liés à la pêche et lutter contre les détournements de fonds.